Allez, salut à vous et bienvenue pour cette 11e partie de Control. Allez, c'est parti. On va retourner au labyrinthe. D'abord, on a des capacités qu'on va peut-être mettre en place. Alors, c'était quoi ça? Énergie, ouais, on va rajouter de l'énergie. Voilà, continuer, très bien. Il m'en reste une, je peux rien faire avec. Déplacement rapide. Donc, je retourne au niveau du labyrinthe. Alors, traverser le labyrinthe. Bien la musique. Garde le contrôle. Prends le contrôle. Il y a des portes de partout maintenant. D'accord, il y a même des mobs. Parfait. Je vous laisse profiter de ce son magnifique. Qu'est-ce que c'est que ces portes? C'est assez chelou, hein. Pas mal, hein? Le chemin est où? Ici, j'ai l'impression. Il n'y a que des portes de partout là. Et très bien cette musique. C'est psychédélique. Faut que je fasse Alan Wake. C'est énorme. Sacré labyrinthe, hein.
Ah ouais. D'accord. Oh, faut tout recommencer là? Merde. Faut tout recommencer, bordel de merde. Oh, faut tout recommencer. Ah non, j'ai l'impression que il y a un raccourci. C'est bon, je peux m'occuper des autres. Il y a beaucoup de vie, lui, quand même, hein. Calme-toi, calme-toi, Roberto. On est bon. On est bon. Alors, où est le chemin maintenant? J'arrive de là-bas. J'ai l'impression qu'on est au bout. Oh putain! J'ai pas vu venir, c'est la surprise du chef, ça. D'accord, j'ai l'impression que je suis protégé par le labyrinthe maintenant. Essayer de monter.
Et très bien cette musique. C'est pile, j'arrive et la musique se termine. J'arrive au bout du labyrinthe et la musique se termine. Oui, elle a retiré le... C'était génial. Ah bah oui, c'était génial, j'ai bien aimé. Ça y est, je suis à la recherche dimensionnelle. Tu voulais que je vienne. C'est en trouvant le projecteur que tout a commencé. Ce qui commence ordinary doit s'y finir. Toi, moi, Dylan. Retour à la case départ. Sagacité schématique. C'est quoi? C'est du sable, ça? Il y avait un portail là, qui menait là où Dylan et moi, emmenés par le projecteur, on a fait ta connaissance. Le bureau a ouvert la même porte ici, mais ce n'est plus qu'un écho. Tu es proche? Juste de l'autre côté? Le projecteur n'est pas là. Il a encore été déplacé. Qu'est-ce que Darling a pu en faire? Tout ça pour rien, quoi. D'accord. Fouiller la zone pour trouver le projecteur. On se croirait dans la matrice, là. L'image qui est projetée sur chaque diapositive est un portail physique vers une autre dimension. Il ne reste qu'une diapositive. La sœur de Dylan a voulu le reste à Ordinary avant que nous ne puissions l'arrêter. Le texte qui y figure, ce côté vers l'écran, et le numéro 36. La topographie de la diapositive 36 comprend des... Bon, voyons voir un peu. On va fouiller un petit peu les environs. Où je dois aller? Je suis où? Ah oui, d'accord. Est-ce que c'est ici? Oui, il y a un truc à faire ici. D'accord. Il y a un post-it. On est bon là. D'accord, ça c'est les recherches d'archives. J'arrive de là, je crois. Ça ne marche pas. Est-ce que je peux descendre ? Fouiller la zone pour trouver le projecteur. Là, je suis bon, là. Oui, je suis bon, là. Ah non, il manque une ligne. Là, je suis bon. Est-ce que ça va faire fonctionner le monte-charge?
J'en suis pas si sûr. Hein. Alors. Non. Disent de fouiller la zone, mais fouiller la zone où? Ici? À mon avis, il fallait prendre... fouiller la zone pour trouver le projecteur de diapositive. Là, c'est pour fermer, d'accord. On va essayer de descendre. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire ici? Il n'y a rien d'autre à faire, hein, je crois. Hein. Il n'y a rien d'autre à faire. On va descendre. On va descendre. Allez, on va prendre le risque. Ça ne marche pas, on va y aller quand même. Ah, c'est l'endroit où je suis arrivé par là. Je suis arrivé ici. Donc je suis dans la zone centrale. Ça serait de ce côté. Est-ce qu'il y a un passage? Il n'y a pas de passage. Ici, c'est quoi? C'est un coffre? C'est un coffre. Alors, si je vais là... Fouiller la zone. Ah, je peux appuyer? L'image qui est projetée sur chaque diapositive est un portail physique vers une autre dimension. Il ne reste qu'une diapositive. La sœur de Dylan a brûlé le reste à Ordinary avant... Le texte qui y figure, diapositive couleur, ce côté vers l'écran, et le numéro 36. La topographie de la diapositive 36 comprend des marques d'ondes. Sur la diapo et à distance, on distingue la formation de 5 piliers comme des gros, longs doigts, écartés. Il y a eu des pertes dans la première expédition. La communication pose problème. Il n'y a pas de son là-bas. Comme si vous étiez sourd et les radios ne marchent pas. Correction. Une résonance de source inconnue, parfois à portée de nos fréquences audibles. Elle agit de manière imprévisible, causant comme de la rétroaction qui peut vous blesser. On va quitter. Ok. Qui l'a entendu autre chose? Qui a fait saigner ses oreilles? Il n'y a rien. Ici, c'est forcément là. Hein. C'est une énigme. Don't touch. En même temps, ça serait trop simple. Qui soit affiché sur le côté. Expédition 3. Nous,
nous avons localisé. C'était pas le même. De la résonance de la diapositive 36. Il s'agit d'une entité, d'un organisme vivant d'une masse considérable. Je l'ai baptisé polyèdre à cause de sa forme physique. Polyèdre ? Nous avons fabriqué un conteneur. C'était toi ? Il t'a fait venir ici ? C'est pour ça que tu voulais que je vienne. Tu es là. Tu es là ! Ils te tiennent ! Je te connais. Je me souviens, depuis Ordinary, je pensais ne jamais te revoir. Comment je descends ? Courage, j'arrive ! Comment on fait pour y aller ? Attendez que je regarde bien parce que je suis un peu perdu là dans la... Alors c'est où cette salle là ? J'arrive pas à visualiser où est-ce que peut être la salle. Je suis le docteur Caspar Dalignes. C'est mon dernier message. Ce n'est pas la fin. Mais après ça, je... Est-ce que c'est ouvert ? Maintenant, je peux y aller ou pas ? Oui. La porte s'est ouverte en fait. Par là ? Ta présence est tellement forte. Darling s'est servi de l'ARP pour fermer la porte. Je dois l'arracher pour pouvoir passer. D'accord. Ok, je m'en occupe. Tiens, va. Comment je mets les vis là ? Je comprends pas là. Ça me dit que je dois aller là. Je comprends bien. La porte s'est ouverte. Il y a une sorte de parabole qui est affichée. Qu'est-ce que je peux faire ? Faut que je l'arrache. Est-ce qu'il y a un truc à mettre là ? Attendez, parce que là il y a une salle. Je comprends pas. Est-ce que je tire dessus ?
Oh là là. Alors, je vais chercher là parce que on a tout tenté. En termes de cette séquence, revenez sur vos pas et retournez au rez-de-chaussée. Partez alors vers la gauche et détruisez l'attache de l'ARP pour déverrouiller la porte. Alors l'attache, elle est où? Elle est où l'attache? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Au terme de cette séquence, revenez sur vos pas et retournez au rez-de-chaussée. Partez alors vers la gauche et détruisez les attaches de l'ARP pour déverrouiller la porte. Il y a un bug là, c'est pas possible. Remonter. Alors là, je suis paumé là. Il y a un bug là, c'est pas possible. Il y a un bug. On verra bien dans le prochain épisode. Je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que là, je suis un petit peu paumé. Allez, à plus dans le bus, à bientôt dans le métro, et merci d'avoir regardé.